Ici, plus d'une centaine de personnes se sont réunies pour acquérir des compétences techniques sur la création de contenu, un secteur important mais souvent négligé. Pourtant, il permet d'obtenir des marchés à l'échelle internationale, promouvoir des marques ou transmettre des idées. On a toujours eu le cœur à partager un peu dans la famille. Et quand je parle de la famille, je parle de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont impacté un peu ma vie. Et partager le savoir, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas tout faire justement au Gabon. La formation sur la création de contenu va se faire dans tout le pays parce que c'est important que les gens sachent comment valoriser leur pays, valoriser les richesses, les ressources qu'elles ont. Et si elles lancent des entreprises, comment mettre en avant ces entreprises-là? On a aussi travaillé sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle fait partie prenante du développement sur Internet. Et aujourd'hui, on est encore un peu en retard dessus. Il faut rattraper le temps perdu. Pour valoriser ses produits ou se valoriser soi-même, il est important de maîtriser plusieurs outils, notamment la photographie, le cadrage, entre autres. Alors les points abordés, il y avait bien sûr les techniques pour apprendre à faire du contenu, donc à filmer, à faire des photos, pas seulement pour se valoriser soi-même, mais pour valoriser un produit, que ce soit une architecture, que ce soit un produit à vendre, que ce soit même du manioc batéké. En fait, tout ce qui est possible de valoriser pour quelqu'un qui a besoin de mettre en avant son business ou alors son projet de vie. Au terme de cette formation, 6 participants ont bénéficié de plusieurs prix et 3 offres d'emploi pour avoir correctement répondu au questionnaire de formation, un don qui ne les a pas laissés indifférents. Je ressors en tout cas bien enrichi en matière de connaissances, surtout que la création de contenu demande énormément d'investissement. On n'y pense pas forcément quand on voit des vidéos sur le net, mais c'est beaucoup d'investissement et de travail. Je ne m'attendais pas forcément à remporter l'un d'eux parce que nous étions une centaine. Cette formation m'a permis d'approfondir des connaissances sur tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle sur la création de contenu. À l'ère de l'intelligence artificielle, la création de contenu a largement évolué, permettant aux créateurs de générer du contenu automatiquement, de comprendre les préférences des utilisateurs grâce à l'analyse de données massives et de stimuler la créativité.